Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Cross Out, chers amis. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 3 missions à faire, infliger 252 dégâts en tapant dans les joueurs en PVP. Donc pour l'instant nous sommes dans le Reds, donc c'est du PVE. Participer à 10 parties PVP ou PVE et gagner 5 parties PVP ou PVE. Donc je pense qu'on va partir dans l'Easy Race, c'est une course donc apparemment, pour obtenir un maximum de coupons et de copper. Donc on va se faire ça. Easy Race, je vois pas à quoi ça correspond. Apparemment, il faut collecter des containers sur place. Écoute, why not? Why not, why not? Faut savoir que mon setup, il est encore en mode EDH. J'ai fait un petit peu d'EDH hier soir en espérant farmer. Et enfin bon, je vous en reparlerai dans la série en question, mais je suis assez déçu d'une petite chose. Ça m'a un petit peu choqué. En l'occurrence, c'était sur le loot, sur le drop, le taux de drop, chers amis. C'est-à-dire que j'ai joué au jeu de manière normale. Puis à un moment donné, j'ai fait une connerie. Donc je suis allé dans une autre région pour pouvoir simplement récupérer, enfin, de mon... éviter de perdre en fait du temps. Et à ce moment précis... Oh la vache! Ennemi destroyed plus 5 secondes, d'accord. Ah bah c'est eux qui me rentrent dedans, voilà autre chose. Hop. Ah bah j'ai perdu les deux roues du côté. Comme ça. C'est fait. Catastrophe. Il va me falloir un appui-tête, mais me rentre pas dedans. Mais vas-y, profite-en pour me tirer dessus. Ouais, oui, ça de moi comme des boucliers humains. Bref, et donc du coup, je me suis rendu compte que dans les zones extrêmement dangereuses, le drop tombe, enfin, le truc que je cherche tombe à flot. Mais t'as pas le temps d'aller le chercher en fait, tu le vois disparaître. Malheureusement, tu le vois littéralement disparaître. Parce que en fait, le temps que t'ailles le chercher, bah tu te fais attaquer, t'as pas le temps de te défendre tout simplement. Hein. Donc, soit t'as pas le temps de te défendre, soit t'as pas le temps de le récupérer. Et c'est là qu'est tout le drame. Oh là là. C'est vraiment un problème ces roues super fragiles. Gars. Donc voilà, oui, j'étais assez curé de voir ça, sachant qu'en fait, en l'espace de 2 minutes, j'ai dû tomber, je pense, vu le nombre de kills que j'ai fait. J'avais une page entière déjà de processeurs chimiques. Dites-vous une page entière, donc ça doit faire une bonne dizaine ou quinzaine de processeurs chimiques. Je n'ai pas pu en choper le moindre. Enfin si, j'en ai chopé deux, parce que je ciblais et j'envoyais avec le collecteur. Et alors ça c'est en quelques minutes hein. Vraiment très très peu de temps. Et en 3/4 d'heure sur une zone classique, j'en ai tombé à 2. J'en ai tombé 2. Enfin bon, je réexpliquerai ça dans la série. Normalement, je suis censé en tourner aujourd'hui. Oh là 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 là, quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Bon, je crois que c'est pas la peine d'essayer. Je passe plus de temps à glisser qu'à rouler, c'est d'une violence. Et on est qu'à la moitié de la game, hein, je précise quand même. Hop. Allez. Allez. GG à lui. Qu'il a chopé tout seul sans l'aide de personne. Oh la gueule. Excuse-moi l'ami, mais je suis coincé.
Ah merde, ça a tourné de place. Non! Je passe la moitié du temps à arriver sur place et... Après, non, 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 je me fais pas passer là-dedans. Si je passe là-dedans, je meurs. Autant vous le dire. C'est quelque chose que j'aimerais éviter. Oh. Oh oh. Oh putain. On a frôlé la catastrophe. Bien que il semblerait que je sois coincé maintenant. Non, c'est bon, j'avance encore. Très légèrement, mais j'avance. Oh la gueule! Comment ils font pour pas se faire péter les roues, ceux-là? Oh la gueule! La gueule, la gueule, la gueule! Moi, ils visent directement les roues, de toute façon, les joueurs. Ça, c'est fait. Enfin, les. Comment les. Les IA. Bon, bah, je m'éclate, moi. Et moi, pendant ce temps-là, j'essayais de rouler. Je vais revenir au point de départ. Ouais. Cette utilité, cet épisode. Oh merde! Il y en a un juste à côté de moi. On va essayer d'y aller, chers amis. Attendez, il est juste à côté de moi ou il est à Chai? Bon, putain, malgré tout, il est assez loin. Hein. Oh, ça sert à rien. Ça sert à rien. Au moins, ils vont l'avoir eu. Allez! Oh putain! Il y avait un caillou invisible! Pensez à prendre des chenilles! Victoire! Bon, c'est bon, au moins ça s'est fait. Ok, bon. C'était une catastrophe. On a récupéré des ressources. Ok. On va récupérer les trois coupons restants, chers amis, je pense. On va essayer d'aller les récupérer, en tout cas. En essayant de ne pas nous reprendre ce qu'on vient de se bouffer dans le nez, quand même. Ce serait pas mal. On va éviter de se faire viser dans les roues, là. Je préférerais. Ce serait peut-être pas mal. Ce serait peut-être pas mal. Bon, bon, bon. Parce que là, franchement, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Je vais juste tirer un trait sur le premier épisode de CO que je vais tourner, de Crossout. Oui, parce que moi, j'utilise des abréviations, des acronymes. Si je ne me trompe pas. Le terme exact étant acronyme. Eh ouais, moi, je suis passé, l'ami. Boum. Hop, allez, meurs. Bah alors, j'ai plus de... Ah non, c'est parce que j'ai juste fait un trou complet dedans, en fait. J'avais juste fait un trou dedans, tout simplement, avec ma perceuse. Du coup, moi, bah voilà. Non, vous ne mourrez pas au contact. Hop. Il a pris la caisse, il a pris la caisse. La crate. Parce que même dans le jeu, c'est une histoire de crate. Ok. Allons-y. Hop. Raté, dommage.
Aïe. Hop. Je sais pas s'il y a moyen de passer par là ou pas. C'est ça le truc. Apparemment oui. Par là il y a moyen. Oui. Enfin je crois. J'y suis. Ce serait peut-être bien de tuer des gens sur la route. Comment ça se fait qu'il nous reste si peu de temps ici? D'un seul coup. Oh la vache! Comment ça se fait qu'il nous reste si peu de temps? Ça c'est violent. Ça c'est véritablement violent. Oh! La partie PVE qui foire. Là autre chose. Ce sont des choses qui arrivent apparemment. On y retourne? D'ailleurs j'ai pas encore eu mon... Oh la gueule, j'ai pas encore eu mes dégâts en cac, en ramming. Collect all valuable cargo. Steel Buddy. Il a 6000. On va rien faire encore. On va encore rien faire. Ah, je croyais que c'était un... Non, tu n'auras pas mes pneus. C'est le mien. Oh. Hop. Boum. Ennemi destroyed. Fait. Crac, on a vu un rouge passer. Bon, bon, bon. Ligne droite. Hop. Crac. Hop. Hop. Il me dit qu'il tente de me choper mes kills. Moi je vais lui choper le sien. Crac. Non, je crois que c'est Théométrie qu'il a eu celui-là. Hop les demi-tours. Ça se passe mieux sur celle-là. Comment on peut avoir 2 minutes d'avance sur une partie et après jouer à 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes tout le temps, 10 secondes. Hop les. Ok, on glisse quand même énormément. Hein. C'était le 8ème ou le 9ème, 8ème apparemment. Hop. Hop.
Boum. Crac. Voilà. Ouh. Bah on en aura chié sur celle-là. Tout ça pour 450 misérables points. Honnêtement, on en aura chié. Bon. Bah toujours ça de prix. Apparemment, on a fait aucun dégât en ramming. Ce qui m'intrigue. Ok. Eh ben écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, n'est pas très bien d'abord de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était tout simplement Marcus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, excusez-moi chers amis. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a une mise à jour avec un nouveau style, un nouveau mode de jeu qui rapporte des sous. What? Des sous? Donc voilà, on va essayer de farmer un petit peu ce niveau-là pour pouvoir espérer choper ce prochain niveau, au niveau 10, vous voyez, directement, pour se faire plus de sous-sous. Voilà, salut les gens. Même si techniquement ça n'a rien changé, vu que c'est les gens qui mettent les prix dans le market, ce qui fait qu'en fait c'est toujours, ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire que tout le monde va gagner plus d'argent, du coup tous les prix vont être plus chers. Voilà, bon bref, on verra bien. Salut les gens.